Je pense que c'était la meilleure solution de faire de balancer le câble de l'autre côté de la barrière. Ah ouais, le câble il est tendu quand même, hein. À tout moment il craque, mais bon, on a fait le maximum. Normalement ça va être bon. Du coup c'était quoi? Tac 0,5,12. Bon, on va déjà essayer le 0,5,12. Super. Traîner dans le coin. Ah oui. Honnêtement, j'ai trouvé un papier là-bas. Il y a des codes dessus. C'est marqué qu'il y a une planque du WLF dans une base qui s'appelle Cerevena. Cerevena. Alors, on va la chercher? Avec un peu de chance, on croisera notre premier WLF. Et on le fera parler. C'est un début. On y va. On va reprendre un petit peu d'élan. Est-ce que je peux rentrer dans ce bâtiment? Ah non. C'était une petite illusion optique. La ville, elle a l'air assez déserte. Pour l'instant, on trouve pas de claqueurs. Pas de coureurs non plus. Il n'y a tout simplement pas de mutants. Merde, regarde. Serena Hotel. Ça doit être là. Oh, on n'a pas trop galéré à trouver. Hein. Trouver le moyen de franchir le portail Fuck Fedra. Très original. Au moins, c'est clair. Faut qu'on s'approche pour voir ça de plus près. Ah, d'accord. J'allais déjà chercher un moyen. Tu connais le code? Il y en avait plein sur la note que j'ai trouvée. Alors, on va regarder le code. Il faut relancer le générateur du portail d'abord. On va suivre le câble, histoire de trouver peut-être le générateur. Ah, le voilà. Faut toujours se préparer au pire. D'essence.
Putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On en cherche. La note. Quoi? D'après la note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Le parking du tribunal et le dôme. Bon, comment on fait pour y aller? On explore un peu les environs, on verra bien. Tu crois que Tommy est venu ici? J'en suis sûre. Bon. Voyons voir. Bon. Rien par ici. Ok, donc tout est barricadé par ici. On va plus aller par là. Ok, on va continuer par ici. Donc oui, Tommy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le frère de Joël. Qui a promis de garder son secret pour lui. Je crois qu'on est ici. Ah, cool. Je vais ajouter des notes. Donc, ok, donc sur le de Columbia. Normalement, on doit passer deux rues et ensuite aller sur la droite et on trouvera le parking dans deux rues ensuite. Bon, on va tout droit. Il s'est passé quoi ici? Je crois que les militaires ont bombardé la zone. Mais pourquoi? Pour nettoyer les zones de la ville envahies par les... les infectés. Ou les rebelles. D'habitude, c'est efficace. Contre les infectés ou contre les rebelles? Les deux. Merde. Crois-moi, t'as eu de la chance de pas grandir en zone de quarantaine. Ouais, je vois ça. Je me demande ce qui serait arrivé si j'étais restée. Je serais probablement devenue un de ces foutus soldats. Impossible. Je te vois pas obéir aux ordres de quelqu'un. Ouais, c'est pas faux. Honnêtement, je pensais que la zone de quarantaine de Seattle serait moins... déserte. Ouais. Peut-être qu'ils sont tous planqués dans la base Serevena. Il y en a combien des WLF d'après toi? Ben, au moins 8. Si on a de la chance, si on n'a pas plus. Ça va aller. Hey, je crois que j'ai trouvé le tribunal. Comment tu le sais? Tu vois pas l'inscription? Celle sur le bâtiment qui dit tribunal. Ah, effectivement. Bien vu, Sherlock. Mais ça tombera sur la carte. Ok, donc... le fameux tribunal, et derrière il y a le parking. C'est sûrement le parking du tribunal. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du matos.
crois que c'est la première fois dans The Last of Us qu'on utilise une carte. C'est sûrement dû au fait que ce soit un monde beaucoup plus ouvert que d'habitude. Et c'est pas pour nous déplaire. Y a rien par ici. T'as entendu? Ah. J'ai entendu. Désinfecté. Ça vient du tribunal. Oh, ça s'annonce mal, non? Bah, au moins, on sait à quoi s'attendre. Il va falloir se battre. Donc où sommes-nous? Nous sommes là. Donc il va falloir rentrer dans ce foutu tribunal. WLF. Gavin, Derek a eu des problèmes avec une fenêtre cassée la semaine dernière. Ce quoi aurait perdu sa jambe si on ne l'avait pas emmené vite fait au Cerevena. J'ai décidé de laisser du matériel à divers endroits du centre-ville pour des futurs cas d'urgence, jambe cassée, affection, connerie de Derek ou je ne sais quoi. Puisque tu vas par là, tu veux bien ravitailler la planque du poste de contrôle Ouest 2. La porte n'a pas été ouverte depuis des années, mais le code est toujours celui de West 2. Allison. Donc elle a laissé des... Ah, c'est toujours le code. Elle a laissé des provisions un peu partout. Super. Donc voilà, l'aventure elle est moins dirigée si je peux dire ça comme ça. Ça fait du bien justement de pouvoir choisir un petit peu ce qu'on a envie de faire pendant l'aventure. De pas tout de suite aller à l'endroit où c'est indiqué, de ne pas avoir une suite d'événements bien marqués. Mais voilà, de choisir un petit peu ce qu'on veut faire à chaque moment. Je trouve ça intéressant. Magasin de musique Valiant. Il y a peut-être du matos. N'empêche, essaie d'imaginer cet endroit quand tout était intact. Tu pouvais te balader, essayer des instruments. Je suis sûr qu'on trouvera assez d'équipement pour monter un groupe. Tu sais jouer d'aucun instrument. Et alors, j'apprendrai toute seule. Alors, des cartes. The Death Ward. Cet individu est lancé silencieux, peut sembler inoffensif, moqué et incompris dès son plus jeune âge, en raison de son incapacité à s'exprimer autrement qu'en marmonnant. Il fait un jour la rencontre d'êtres cosmiques qui vont changer sa vie en lui faisant don du mot.
Une parole mystique qui fait perdre la raison à quiconque l'entend. Heureusement, sa grande taille permet de le repérer, de fuir ou de se boucher les oreilles avant que le mal soit fait. Méchant neutre. Écoute ça. Oh, waouh, c'est intéressant comme son. Désolé, ça me vient comme ça. Allez, dis-le. Ça me dit quelque chose Je en plus. Peu importe. On va monter un groupe. Et toi, tu seras ma groupie. T'as quoi? Bah, tu sais, les personnes qui suivent leur groupe préféré partout dans le monde. C'est pas déjà ce que je suis en train de faire? Si, on peut dire ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour en tout cas. Au rez-de-chaussée, de ce qu'il y a à voir. Je vais remonter pour voir si je trouve pas autre chose, des trucs plus intéressants. Il y en a des disques ici. The Sleek Habit. The Sick Habit. C'est pareil. Bah, c'est pas comme si on l'avait écouté une centaine de fois ensemble. J'écoutais juste parce que je te trouvais jolie. Ah, tu matériel. Bon, on va casser cette vitre. Ah bah zut. Je vais récupérer la bouteille. Oh. Qu'est-ce que tu joues? Rien. C'est peut-être rien, mais c'est très joli. Tu te rappelles cette nuit près du feu? Ouais. Thank you.
to say, I'll say. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for you, okay? Take on me. To say I'm odds and ends, but I'll be stumbling away slowly. T'aurais dû m'embrasser. J'en avais envie. Moi aussi. Allez, on se remet en route. Ouais. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour sur ces très belles notes de musique. Ça fait un moment que le gameplay doit être assez lent déjà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve pour de nouveaux épisodes sur la chaîne Boss Player. Et d'ici là, les amis, gardez la forme, mais surtout, on se tient au jus de pomme. Peace, la famille.